Julien, marié, deux enfants, et Tom, hipster de la première heure, ont créé le Chill and Work, un espace de coworking où il fait bon vivre. Tous ceux qui connaissaient le lieu le kiffaient grave. Mais Julien rêvait de reconnaissance et Tom de popularité. Et après une campagne publicitaire complètement ratée, ne nous mentons pas, ils demandèrent conseil à Rich. Tom, je ne pense pas que ce SDF puisse nous aider. C'est pas un SDF, c'est notre community manager. Il va booster notre visibilité, n'est-ce pas, Rich? Yes, les guys, c'est very simple. Pour upsizer la visibilité du brand, il faudrait ASAP monitorer un workshop sur les prospects millennials, get up, stand up and motherfucker. J'ai rien compris. Rich a raison, faut choper les influenceurs. Mieux, faut faire un YouTube warrior au Chill and Work avec McFly et Carlito. Attends, j'ai rien compris, là. C'est qui, Black Five et Morito? Des youtubeurs. Leur jeu, c'est comme Interville, mais sans la vachette. Quoi? Il est pas mort, Gilux? Qui ça? C'est parti! Start of Warriors! McFly and Carlito versus the Chill and Work! Cette vidéo contient pas son produit. Bonsoir! Ça a commencé là? Bah ouais. Messieurs, le but du jeu est simple, passer toutes les épreuves le plus vite possible en évitant les pénalités et être le premier à livrer son start-upper! Et si vous perdez, vous devez parler du Chill and Work non-stop sur vos réseaux pendant une semaine! Ok, mais si vous perdez, vous devez descendre les Champs-Élysées déguisé en poule, le tout en direct sur notre chaîne YouTube. Let the game begin! Oh les bâtards! Avoir une bonne alimentation. Fais ton smoothie en défonçant des fribios. Reviens quand tu lances. Ah bah ça y est, j'ai lancé là. Ah merde. Les fruits, bordel! Défonce les fruits! Entoure-toi des meilleurs. Rassemble plus de coworkers en un temps record. Top! Relouque ton espace de travail. Sois utile à la société. Je peux le faire. T'es sûr? J'ai pas pu le faire. C'était sûr. Top! Et c'est la course à l'ultime épreuve. Lance ton start-upper et écrase la concurrence. L'ultime épreuve. À l'aide d'un canon, projette ton start-upper sur une cible reliée à un piano qui, dès l'impact, viendra écraser la concurrence. Non, non, mais moi, je suis pas du tout la concurrence. Go! Je crois que j'irai pas plus loin. Les gars, je pourrais avoir un casque, moi aussi? Yes! C'est bon, les gars, vous inquiétez pas, hein. Pour le casque, j'ai fait 100, j'ai géré. Top! C'est Tom et Julien qui remportent cette épreuve finale. Mais si on fait le calcul des malus, les dégâts matériels, les 5 coworkers inconscients et la pénalité cadavre, la victoire revient à McFly et Carlito! Non! Yeah! On a hâte de vous retrouver sur les champs, mes petits poulets! Mais en attendant, n'oubliez pas... Souscrivez à un abonnement! Oui, Tom et Julien avaient perdu. Tout perdu. Les Chill and Worker avaient fui chez le nouveau concurrent. Welcome to Just Say Only Quiet. Où ils regardaient tranquillement la vidéo buzz du moment. Quand, tout à coup... Qu'est-ce qu'on a fait, Tom? On est devenu populaire! J'ai rien compris! S'abonne-toi sur Inernet. C'est comme Internet, mais sans le T. Enfin, le premier T, parce que si t'enlèves le deuxième T, ça ferait Interneux. Ou si t'enlèves les deux T, ça fait Inerneux, ce qui ne veut rien dire. S'abonne-toi.